Guide complet des défis de la semaine 1. Alors le premier défi va vous demander de visiter Breakwater Bay, Anvil Square et Shattered Labs. Donc là vous pouvez voir les lieux dits affichés par un ping sur la carte. Donc vous allez devoir visiter ces trois lieux dits et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Détruire des objets en dérapant ou en accélérant dans une Nitro Drifter. Alors les Nitro Drifters, c'est tout simplement les nouveaux véhicules de Fortnite. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement déraper. Donc pour déraper, vous devez appuyer sur L1. Donc regardez, là je vais appuyer sur L1 et là je dérape. Et là ce que je vais devoir faire, c'est de détruire les objets en dérapant. Après vous pouvez les détruire quand vous lâchez le dérapage, vous allez avoir un boost de Nitro. Donc regardez, là je vais lâcher le dérapage et là boum, j'ai un boost de Nitro. Donc vous pouvez aussi les détruire en utilisant le boost de Nitro, voilà comme ceci. Et les objets en question, c'est tout ce que vous pouvez détruire, hein. Que ce soit un poteau, une bouche d'incendie, un banc, un siège, enfin tout ce que vous pouvez détruire, même des boîtes aux lettres, ça fonctionne. Donc détruisez 25 objets en dérapant ou en ayant le boost à la fin du dérapage pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Atterrir à Mega City et finir dans le top 25. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir atterrir obligatoirement à Mega City. Donc dès que vous sautez du bus, vous vous rendez dans cette ville. Quand vous avez atterri à Mega City, ce que vous allez devoir faire, c'est de survivre jusqu'au top 25. Donc le top, vous pouvez le voir affiché à gauche. Ici, on est au top 50 parce que je suis en duo. Et si vous êtes en solo, il n'y aura qu'un seul chiffre et il faudra attendre qu'il reste juste 25 joueurs restants pour ensuite pouvoir mourir et terminer le défi et débloquer les récompenses. Infliger des dégâts à des adversaires avec trois différents types d'armes en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver trois types d'armes. Donc vous avez les fusils d'assaut. Donc le fusil tireur d'élite Cobra, c'est la même chose qu'un fusil d'assaut, hein, ne vous trompez pas là-dessus. Donc les fusils d'assaut, les PM, donc les pistolets mitrailleurs, et les pompes. Après vous avez aussi les simples pistolets, les tout petits pistolets. Ou alors vous avez aussi l'arme spéciale qui est la lame cinétique. Hein. Mais ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts avec ces trois types d'armes. Enfin, trois types différents d'armes. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Restez en l'air avec une moto Rogue. Alors pour vous aider à trouver les motos, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc ce que vous allez devoir faire avec cette moto, c'est tout simplement prendre des hauteurs, ensuite sauter d'une hauteur comme ceci. Et dès que vous aurez resté en total, au total 15 secondes en l'air, vous pouvez le faire en plusieurs fois bien entendu, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.